Salut tout le monde, c'est Green Meteor et aujourd'hui je vais vous montrer un système qui permet de capturer des mobs. Comme ça pourra être pratique si vous voulez de l'XP ou de l'XP ou de l'XP sans vous fatiguer, hein. Donc pour le faire, vous aurez besoin d'un bouton, c'est pas obligé. Vous aurez besoin d'eau, de blocs de construction, de 4 repeaters, de 3 torches de redstone, de 3 sticky pistons, d'un piston, d'une épée, ça peut être pratique, de quelques cure-dents, d'un tire-bouchon, et c'est tout. Donc, ça fait une petite maison, make my bed. Donc voilà, avec votre bouffe et votre bout de vous. C'est bon. Enfin bref. Donc, on va faire spawner les zombies. On va pas attendre qu'il y en a qui arrivent. Voilà. Donc vous êtes tranquille là chez vous. Et vous avez pas besoin d'appât parce que l'appât c'est vous. Comme la Xbox. La manette c'est vous. Bref. Et donc s'il y a un zombie qui arrive, il tombe dans le trou. Voilà. Donc vous êtes tranquille chez vous, vous craftez ou vous faites ce que vous voulez. Et pendant ce temps, il y a votre stock de mobs qui se remplit. Voilà. Et une fois que vous avez envie de tuer vos mobs, prenez votre jolie épée. Puis vous allez les voir. Coucou! Et vous les bouffez tous. Enfin non, vous les tuez plutôt, ça peut être mieux, mais bon. Vous vous mettez en sneak, comme ça vous pouvez y aller et vous risquez pas de tomber. Parce que si vous pouvez tomber, ça pourrait être quand même un peu dérangeant. Et une fois que vous supposez qu'il n'y a plus personne, vous pouvez au pire augmenter un peu le son. Oui, je suis pas encore passé en 1.6. Enfin en 1.7. Oui voilà, je suis pas encore passé en 1.7, mais bon. Donc voilà, donc vous descendez tranquille. Vous ramassez l'XP et le stuff. Et là vous mettez une pancarte pour arrêter l'eau. Il faut écrire dessus j'aime le caramel. C'est très 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 important, sinon votre système il marche pas. Hein. Et donc bah vous appuyez sur le bouton et vous tombez. Bon après, ça vous coûte quand même un sticky piston, une torche et un bloc. Bon, c'est surtout le sticky piston qui est le plus cher, je suppose, bien sûr. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est... Ah, il peut rentrer, c'est... faut sauter, donc voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre des échelles. Ce qui est beaucoup moins coûteux, hein. Et vous foutez des échelles. Merde, je ne peux pas parce que j'ai mis des vitres. Bon, bah, vous les foutez où vous pouvez, hein. Et voilà, et vous retombez. Et comme ça vous pouvez sortir, ça vous coûte pas de piston, en plus vous n'avez pas besoin de faire tout un tour. Donc voilà. Et puis en fait ça c'est la partie la moins coûteuse on va dire. Parce que franchement ça vous coûte pas grand chose, bon quelques pistons quand même, mais voilà. Sinon pour avoir un truc plus pratique, vous pouvez faire pareil, la base, bon là j'ai juste fait la base, et à la fin des hoppers, comme ça récupère automatiquement le truc, mais bon ça sert pas à grand chose, parce que si vous voulez l'XP vous allez forcément descendre, et sinon un petit peu moins coûteux aussi, vous foutez de l'eau qui va jusque votre hopper, là où vous avez les échelles, et le hopper vous emmène les items jusqu'à un ascenseur à items. Voilà, avec un comparateur. Donc dès qu'il y a quelque chose dedans, le comparateur s'allume. Ce qui éteint la torche, ce qui allume l'entonnoir, ce qui fait passer le cookie. Qui fait un gentil petit pulseur. Et avec le comparateur, ça fait escalader l'item. Bah tenez, je vais vous montrer, attendez. Donc
ça arrive là. Oups, bloc de fer. Donc si... Là, je sais pas si vous entendez, mais là il y a des petits tec tec tec. Et voilà, il y a votre truc. Bon, il y en a tout. Vous retrouvez jamais la totalité. Ah si. Enfin bon, normalement il y a des trucs qui restent coincés dans le machin et dans le bidule et du coup bah ça fait un truc. Enfin, vous comprenez quoi. Enfin, voilà. Et puis bah voilà. Et en fait voilà. Je vais vous montrer comment ça se fait quand même parce que. Pendant que je vous le fais en l'air, vous ferez par terre, enfin au sol, à l'entrée de votre base. Donc, ah oui merde, j'ai oublié qu'il fallait une plaque de pression aussi. Oui, il faut une plaque de pression, hein. Donc, vous avez une plaque de pression avec une torche là. Donc là, il y a des murs sur les côtés. Voilà. Là, de la poudre, poudre, poudre. Ça permet d'allumer cette chose. Par contre, je le connais pas par cœur le truc, donc je vais une torche ici, un répéteur là, qui doit être placé au deuxième cran, un répéteur placé au deuxième cran qui pointe vers un bloc, celui que vous voulez. Ensuite là, deux non. Ah oui non, oui c'est parce que voilà, ibracadabra. Donc voilà vos deux gentils blocs. Donc cela, ça permettra que le mob ne saute pas ou je sais pas trop quoi, voilà. Ensuite, sous votre gentille plaque de pression qui est toute gentille, vous foutez de la poudre. Là, vous allez mettre un pistune. Voilà. Là, un sticky pistune. Voilà. Ensuite, voilà. Quand... merde, je me suis trompé. Non, non, il faut le faire à... ici, là. Autant pour moi-même. Je m'excuse platement. Donc ça, non, c'est pas bon. Bon, vous faites escalader comme vous voulez. Hein. Donc là, on arrive sur la plaque de pression. Il y a ça qui s'active, bon ça pousse pas encore, il y a ça pour pas qu'on puisse trop avancer, et il y a ça qui se retire. Là, après ça, vous foutez un répéteur qui va répéter des répétitions de répéteur, un bloc avec de la poudre, un bloc au-dessus avec une torche, et de la poudre dessus. Ensuite vous foutez comme ça. Hop. Ça, ça sera pour après. Et là, vous mettez un répéteur placé au deuxième cran. Et là, vous foutez une torche. Et là, vous mettez un répéteur placé au deuxième cran aussi. Là, vous rebouchez. Normalement, là, ça marche. Non, ça marche à moitié, parce que regardez. Normalement, si je vais... Oui, voilà, là, vous voyez, il y a un problème. Il s'est pas remis comme il fallait. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, empêcher que ceci n'arrive, eh ben, vous reliez ici à ici. Vous mettez de la poudre. Vous mettez un répéteur placé au deuxième cran. Vous mettez de la poudre. Et là, ça marche. Enfin, je crois. Là, même si je reste trop longtemps, ça ne se casse pas. C'est-il pas trop bien? Hein? Ah oui, vous êtes content. Hein? Donc maintenant, je vous explique. Explication. Donc, quand on marche sur la plaque de pression, ça va tout déclencher. Ça désactive cette torche. Qui, du coup,
Enfin, non, ça... Oui, ça désactive cette torche. Du coup, elle n'alimente plus ce piston. Du coup, ce piston se rétracte. Ça n'éteint plus cette torche. Du coup, cette torche s'allume. Du coup, ça s'allume les deux. Et ils empêchent que ça passe. Mais aussi, ça débloque ça. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un pulseur. Ça débloque ça. Du coup, cette torche s'allume. Du coup, ça allume cette poudre. Ça allume ce répéteur. Du coup, ça... garde éteinte cette torche. Oui, c'est... Donc, enfin, voilà. Non, attendez. Je recommence. Ça éteint cette poudre. Du coup, ça débloque le pulseur. Parce que cette torche s'allume. Du coup, ça allume cette poudre. Du coup, ça allume ce répéteur. Du coup, ce répéteur alimente ce bloc qui allume cette poudre. Qui éteint cette torche. Qui éteint cette poudre. Qui éteint ce répéteur, qui éteint ce bloc, qui éteint cette poudre, qui allume cette torche, qui... Ah putain, bref, ça fait une boucle. Du coup ça allume et ça éteint cette torche, qui allume et qui éteint ce répéteur, qui allume et qui éteint le piston. Merde. Re tout le monde, alors je ne sais, j'ai pas compris là, ça marchait avec les autres mais avec lui ça marchait pas. Du coup en fait le truc qui, le problème c'est que ce répéteur fallait le mettre au quatrième cran. Mais franchement j'ai pas compris parce que les autres je les ai mis au deuxième cran, il n'y a pas eu de problème. Je sais pas quelle connerie j'ai fait, j'ai foiré quelque part. Mais bon, en tout cas là, voilà, il est foutu au quatrième cran et il n'y a pas de problème. Franchement j'ai pas compris ce... Enfin bon, voilà, vous le foutez au quatrième cran et ça fonctionne. Enfin je comprends pas pourquoi avec les autres ça marchait et pas avec celui-là. Non franchement je comprends pas, j'aimerais bien comprendre hein, mais je ne comprends point. Enfin bon, dans tous les cas j'espère que ça vous aura plu et que tous mes fails ne vous auront pas trop compliqué le tuto. Excusez-moi. Et bah à la prochaine.